Moi, mon animal, c'est la gerboise. Mais en fait, je vais parler de la gerboise comme un objet transactionnel, parce que je vais parler en réalité de quelqu'un qui a trouvé cet animal et qui a raconté une histoire autour de cet animal. C'est un chrétien arabe d'Alep qui s'appelle Hanna Diab, qui était l'accompagnateur, le domestique d'un voyageur français, Paul Lucas. Ils étaient en Tunisie en 1708 et à Tunis, ils ont rencontré un marchand qui avait des petits animaux dans une cage. Des petits animaux très amusants. Ces petits animaux sont des gerboises. Donc ce sont des petites souris avec une longue queue. Hanna les décrit très bien. Mon maître les observa attentivement. Leur pelage était curieux, mais ils étaient jolis à regarder. Ils étaient faits d'une manière étrange et étonnante que l'on peut décrire ainsi. Ils étaient tous les deux de la taille d'un petit lapin, avec des pattes arrière aussi longues que des pattes de grue, des pattes avant courtes placées sous la mâchoire, pareilles à des paumes d'humain, et munies de 5 doigts, à l'aide desquels cet animal se nourrit. Une longue queue pareille à celle d'un lion se dressait au-dessus de leur dos, recouverte 2/3 de poils rayés blancs et noirs. Leurs yeux étaient semblables à des yeux de gazelle, leur museau à celui d'un porc, leur robe pareille à celle d'un cerf. Leur conformation réunissait donc des éléments pris à 4 ou 5 animaux sauvages différents. Quelque temps après, le marchand de Tunis en question procure 7 petites bêtes à Paul Lucas, et Paul Lucas les confie à Hanna en lui disant de bien s'en occuper. Mon maître envoya aussitôt chercher un menuisier et lui donna ses instructions pour fabriquer une cage avec des compartiments et des logements pour séparer les animaux les uns des autres. Nous les installâmes ensuite dans cette cage. Chaque bête entra aussitôt dans un logement pour se cacher. Nous leur présentâmes quelques fruits à manger, amandes, noisettes et autres fruits de ce genre. Ils se mirent à manger tout ce que nous leur mettions, sauf la viande. Après avoir mangé, ils balayaient le sol de la cage de leur queue pour en évacuer les saletés et leurs excréments. Ils étaient agréables à regarder, et leur façon de manger et de se nettoyer était étonnante. Ils mangeaient debout, saisissaient les fruits avec leurs mains et les mettaient dans leur bouche comme des humains. Quand ils avaient terminé, chacun rentrait dans son abri et disparaissait. Nous mettions dans la cage de la laine brute, qu'ils mettaient en charpie et dont ils enlevaient les impuretés. Puis, ils s'y enfouissaient pour se réchauffer, car ils venaient de régions très chaudes. Ce marchand nous avait mis en garde, il ne fallait pas les laisser prendre froid, et leur mettre de la laine pour qu'ils soient au chaud. Après leur avoir aménagé la cage, mon maître m'en confia la garde avec celle des animaux, que je devais veiller très soigneusement à protéger du froid pour qu'ils ne meurent pas. S'ils étaient encore en vie à notre arrivée à Paris, me précisa-t-il, j'en retirerais de grands avantages, car ils me permettraient de pénétrer dans des lieux inaccessibles à tout autre. Je recommandais donc à mon maître de leur mettre une housse en laine dont nous recouvrîmes la cage. Donc le voyage continue avec toutes sortes de péripéties, de Tunis, ils vont à Livourne, ils se font attaquer par des corsaires, de Livourne à Gênes, de Gênes à Marseille. Et de Marseille, il remonte le Rhône jusqu'à Paris. À Paris, le voyageur Paul Lucas doit aller rendre compte de sa mission au roi à Versailles. Donc, il va à Versailles avec Hanna Diab qui le suit avec sa cage, avec les gerboises dedans. Il n'y en a plus que 2 qui sont arrivées vivantes à Paris. Toutes les autres sont mortes en route. Et ils sont introduits dans les bureaux du ministre Pontchartrain. Paul Lucas présente l'ensemble des collections des objets qu'il a ramassés pendant ses voyages. Il y a des manuscrits, il y a des monnaies, il y a des pierres précieuses, il y a des plantes. Et puis, il y a la cage avec les gerboises.
Il prend la cage des mains de Hanna, il la montre à Pontchartrain, et Pontchartrain trouve ça très intéressant et dit qu'il faut les montrer au roi. Le lendemain, ils doivent donc être présentés au roi. Le roi est assis, entouré des gentilshommes de sa cour, et un serviteur prend la cage des mains de Hanna pour la montrer au roi. Le roi est très intéressé par ces petites bêtes qui sont très amusantes. D'ailleurs, il paraît qu'elles sont très divertissantes dans les cages. Et il demande, ce sont des mâles ou des femelles? Et en fait, ils n'en savent rien, puisqu'ils ne savent pas quels étaient les mâles, quelles étaient les femelles et quelles ont survécu. Et puis, il demande comment ces bêtes s'appellent. Et Paul Lucas est pris de court, il ne sait pas comment ces bêtes s'appellent. Et il s'adresse alors à Hanna, qui restait en arrière et à qui personne n'avait prêté attention. Mais pour aller à Versailles, Hanna a mis son beau costume d'oriental d'Alep, avec un bonnet qu'on appelle un colbac, avec un caftan, une ceinture de soie, etc. Et Hanna s'approche et il dit au roi comment on appelle ces bêtes en arabe. Et il précise dans son récit qu'il sait aussi le français et qu'il a dit aussi comment elle s'appelait en français, donc gerboise. Et non seulement il l'a dit, mais il l'a écrit en arabe et en français. Le roi est très content. À ce moment-là, arrive le grand dauphin, le fils de Louis XIV, qui est connu pour aimer les sciences et les arts, avoir des collections de toutes sortes d'objets, etc. Et le grand dauphin s'intéresse aussi aux gerboises et va chercher une planche où sont représentés, où sont gravés toutes sortes d'animaux inconnus dont on est en train de faire le répertoire. Et dans son répertoire, il ne trouve pas d'animal correspondant aux gerboises. Il fait appeler le médecin du roi, qui est aussi un grand naturaliste, le docteur Fagon, qui est très célèbre. Le docteur Fagon consulte aussi ses collections et dit que décidément cet animal-là ne figure pas dans ses collections et fait venir un graveur qui fait une représentation des gerboises. Il grave les gerboises pour en garder le dessin. Sur ce, le roi dit que ces animaux-là, il faut absolument les montrer à la duchesse de Bourgogne. La duchesse de Bourgogne est une jeune femme, c'est l'épouse du petit-fils de Louis XIV, le duc de Bourgogne. Louis XIV l'aime beaucoup. Et d'autre part, c'est elle qui aime beaucoup les animaux et c'est pour elle qu'a été créé le zoo, la ménagerie de Versailles, dont elle s'occupe. Donc elle est particulièrement intéressée par ces animaux. Il faut attendre que la duchesse de Bourgogne revienne de la chasse, et ce n'est qu'à 10 heures du soir que Hanna est introduite chez la duchesse de Bourgogne avec la cage. Chez la duchesse de Bourgogne, il y a une cour de princesses somptueusement habillées. Hanna est éblouie par leur tenue. Il y a aussi plein de messieurs assis à des tables en train de jouer aux cartes pour de l'argent et ils voient des pièces d'or partout sur les tables. Tout le monde s'arrête pour venir regarder les animaux, contempler les bêtes. Mais bien sûr, l'intérêt pour les bêtes s'arrête au bout d'un moment et on commence à s'intéresser aux porteurs de la cage. Comme Hanna a dit, après s'être intéressé aux animaux, on s'est intéressé à moi. On lui a soulevé le colbac, on lui a soulevé la tunique, on lui a touché la poitrine. Et on trouvait donc cet oriental très curieux. On s'intéressait en particulier au fait qu'il portait la moustache, qui n'était plus du tout à la mode à Versailles à cette époque-là. Et il a tout simplement dit que chez lui, en Orient, tout le monde portait la moustache. D'ailleurs, il y tenait beaucoup. Après cela, le roi... Peut-être le lendemain, je ne sais plus, le roi demande qu'il vienne présenter la cage avec les bêtes
dans sa chambre. Louis XIV est le soir dans sa chambre en compagnie de Madame de Maintenon et de quelques autres princesses et princes. La cage est posée sur une chaise et le roi prend un chandelier pour s'approcher de la cage pour l'éclairer. Hanna, qui est debout à côté, prend le chandelier de la main du roi. Ce qui est un geste qu'il n'aurait jamais dû faire, c'est un scandale, c'est une atteinte au protocole, mais il ne le savait pas. Quand il sort ensuite de la chambre du roi, son maître lui fait une scène, en le traitant de tous les noms, parce qu'il a osé prendre le chandelier de la main du roi. Votre humble serviteur se tenait debout à côté du roi. Par sottise et naïveté, je pris le chandelier de sa main. Dans sa grande mansuétude, il me le donna, sachant que je faisais ce geste par ingénuité et ignorance. Car ce que j'avais fait là était chose étrange. Qui aurait pu avoir l'audace de tendre la main vers le roi et de prendre ce qu'il tenait? Par la suite, mon maître racontait partout à Paris que ce jeune homme avait pris le chandelier de la main du roi. En tout cas, comme dans la première chambre, tout le monde s'intéresse d'abord aux gerboises, puis après à lui, à son costume, à son bonnet, à sa moustache, etc. Voilà à peu près l'histoire des gerboises et comment Hanna Diab, chrétien d'Alep, a été introduit à la cour de Versailles grâce aux gerboises. Hanna raconte très bien, et pour cause, puisque par ailleurs, c'est un grand conteur. Il est connu surtout pour avoir raconté un certain nombre de contes à Antoine Galland quand il était à Paris. Des contes des Mille et Une Nuits que Galland va ensuite publier et qui vont rendre Galland célèbre. En particulier, il va raconter, parmi les contes les plus fameux, Ali Baba et Aladdin, la lampe d'Aladdin. Ces contes n'ont aucune autre source que ce que Hanna a raconté à Galland. Et donc notre voyageur et notre conteur est un informateur extrêmement précieux. Peut-être Hanna est-il Aladdin. Il y a des ressemblances dans les deux histoires. Il y a peut-être des éléments autobiographiques de Hanna chez Aladdin, puisque dans les deux cas, il s'agit d'un jeune homme qui a perdu son père, qui traverse une crise et qui rencontre à ce moment-là un étranger qui va lui servir de tuteur. Le tuteur que Hanna rencontre, c'est Paul Lucas. C'est avec Paul Lucas qu'il quitte Alep, un peu méfiant. Il craint que ce soit un manipulateur. Et à la sortie d'Alep, Paul Lucas trouve des ruines et demande à quelqu'un de rentrer dans une grotte, dans une tombe qui se trouve sous un rocher. Cette histoire ressemble à l'histoire d'Aladin qui rencontre un pseudo-oncle qui l'emmène hors de la ville et qui le fait rentrer dans une grotte sous un rocher. Dans les deux cas, que trouve-t-on dans cette grotte? On trouve une lampe. Donc, Hanna est peut-être un peu Aladin. Comme Aladin, il s'initie aux pierres précieuses grâce à son tuteur Paul Lucas. Et comme Aladdin aussi, il rêve d'ouvrir une boutique de draps et de devenir drapier dans sa ville, ce qu'il finira par devenir à son retour de Paris. Il mènera ensuite une vie de drapier, et ce n'est qu'au soir de sa vie qu'il mettra par écrit cette histoire qu'il a sans doute passé sa vie à raconter à son entourage et à sa famille. Il était dans une ambiance où il était de coutume, dans les jardins d'Alep ou dans les cafés d'Alep, de raconter des contes et des épopées. Et c'est de là, certainement, qu'il tirait son inspiration pour les contes qu'il a racontés à Galland. Le manuscrit du récit de voyage de Hanna Diab est au Vatican. Il est dans une collection qui est arrivée au Vatican après la Première Guerre mondiale. Un représentant du Vatican l'a acheté en Égypte. C'était un collectionneur, un prêtre d'Alep qui avait collectionné ces manuscrits. Quand j'étais à Rome au début des années 90,
J'explorais un peu les fonds arabes de la Bibliothèque Vaticane et des archives du Vatican. Et j'avais un ami et collègue, linguiste, Jérôme Lantin, qui préparait une thèse sur l'histoire de la langue arabe entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et je lui ai dit, Jérôme, il faut que tu viennes à Rome, il y a vraiment des documents très intéressants pour toi à Rome. Il est venu, effectivement, il a trouvé beaucoup de documents pour la question linguistique dans ses sources, soit à la Bibliothèque Vaticane, soit aux archives du Vatican. Et puis il m'a dit, est-ce que tu as regardé le Sbad 224 ? Alors je ne l'avais pas regardé, et donc j'ai découvert comme ça ce récit de voyage. Et à l'époque, avec Jérôme, nous avons fait le serment qu'un jour nous publierions ce texte. Et puis, une de mes étudiantes, on peut dire, qui est une dame originaire d'Alep, qui s'appelle Paul, a voulu faire un travail de recherche sous ma direction. Puis un jour, je lui ai donné ce manuscrit. Et ça l'a vraiment enthousiasmée. Alors elle a commencé à se lancer dans la traduction, on a essayé de travailler ensemble dessus, mais à un moment il fallait l'intervention de Jérôme, parce qu'il y avait toujours ce contrat que j'avais avec lui, de publier avec lui, et puis aussi parce qu'il était le seul à avoir la compétence pour vraiment pouvoir travailler sur ce texte. Parce que être historien, ce n'est pas être traducteur. Je ne suis pas très bon en arabe, mais en plus, la traduction est un exercice très particulier. Alors, la première raison, c'est la langue. Et ça, c'était surtout Jérôme. Donc, il était très intéressé par la façon dont Hannah racontait. À la fois le style et carrément les questions linguistiques, comment il conjuguait les verbes, quel genre de conjonction il utilisait et tout, puisque c'est typique de l'arabe d'Alep du XVIIIe siècle, qui a des liens avec, disons, un arabe qu'on appellerait maintenant littéral, mais qui est en même temps très proche de l'arabe parlé. La deuxième chose, c'est ce qu'il raconte. Un des premiers épisodes que Jérôme m'a montré, c'est l'épisode où Hannah est à l'hôtel à Marseille, à l'hôtel du Petit Paris, et il a besoin d'aller aux toilettes, et il ne sait pas où sont les toilettes. Alors il demande, et on lui dit « sous le lit ». Il ne comprend pas, il cherche, il ne comprend pas, et il finit par aller dans la nature. Et ce n'est que plus tard qu'il comprend l'usage du pot de chambre. Donc voilà, il y a des histoires pittoresques comme ça qui et amusantes qui donnaient de toute façon envie d'aller y voir. J'ai assez peu confronté le texte de Hannah à d'autres sources originales. Je l'ai fait un peu, par exemple, je connais un recensement des Maronites d'Alep en 1740. J'ai regardé si Hannah Diab figurait dans le recensement des Maronites d'Alep en 1740. Par exemple, dans le registre paroissial d'Alep, je crois avoir repéré l'enregistrement de son mariage. Mais autrement, j'ai beaucoup travaillé avec de la littérature de seconde main parce que le sujet est vaste. Je veux dire, l'archéologie d'Alexandrie en Égypte, la colonne de Pompée, l'obélisque de Cléopâtre sont des choses que je ne connaissais pas, donc il a fallu que je me documente. Et là, je me suis documenté soit à travers des récits de voyageurs, soit des articles plus récents sur le sujet. Alors, j'ai aussi mis à contribution toute la corporation des historiens modernistes. Donc j'ai demandé à des spécialistes de Versailles, j'ai demandé à des spécialistes de Marseille, j'ai demandé aux spécialistes de l'opéra, etc. Et ils ont tous été très enthousiastes et ils m'ont tous aidé, soit en me donnant des références bibliographiques, soit carrément en me faisant les notes de bas de page sur certains points, quand ça les intéressait particulièrement ou quand ils étaient très spécialiste de la question. Ça aussi, c'est assez original par rapport à d'autres travaux que j'ai faits, où j'ai souvent travaillé un peu solitaire. Là, c'était une œuvre très collective et j'étais un peu le chef d'orchestre entre Paul, Jérôme et tous mes autres collègues qui ont contribué sur tel ou tel point. Oui, alors, on devient très familier avec,
avec le personnage, on finit par se voir un peu dans la situation avec lui. Et puis ce qui est aussi très excitant, ce qui procure vraiment du plaisir et qui parle à l'imagination, c'est lorsqu'il dit quelque chose et on peut le recouper avec quelque chose qu'on connaît déjà ou avec une autre source qu'on a repérée. Et ça, c'est génial. Ça fait un peu comme une enquête policière où tout d'un coup, on a plusieurs indices qui vont dans le même sens et ça permet de faire apparaître une vérité ou une réalité qu'on ne voyait pas clairement avant. Par ailleurs, c'est un grand conteur. Il est connu surtout pour avoir raconté un certain nombre de contes à Antoine Galland quand il était à Paris. Des contes des Mille et Une Nuits que Galland va ensuite publier et qui vont rendre Galland célèbre. En particulier, il va raconter, parmi les contes les plus fameux, Ali Baba et Aladdin, la lampe d'Aladdin. Ces contes n'ont aucune autre source que ce que Hannah a raconté à Galland. Alors, ce que l'histoire de Hannah apporte aux Mille et Une Nuits, c'est que ça pose la question du caractère oriental des Mille et Une Nuits en particulier. Donc, est-ce que les contes que Hannah racontait s'inscrivent dans une longue tradition orientale, remontant à la Perse, ayant passé par la littérature arabe, ayant des liens avec la littérature classique arabe, ou est-ce que ce que Hannah raconte n'a rien à voir avec ça? Et en fait, mon travail va plutôt dans le sens que ça n'a rien à voir avec ça. Et donc ça, c'est très important pour ce que représentent aujourd'hui les Mille et Une Nuits. Est-ce que les contes les plus célèbres des Mille et Une Nuits, Ali Baba et Aladdin, n'ont rien à voir avec une tradition arabe, mais viennent d'ailleurs? Et s'ils viennent d'ailleurs, ils viennent d'où? Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de la littérature des contes, mais les spécialistes de la littérature des contes pensent que Hannah se sert de schémas et d'éléments qui sont d'origine occidentale et pas d'origine arabe dans ses contes. Ça, c'est une première chose. Ce que moi, je vois, c'est que je pense que Hannah a peut-être mis du sien. C'est ce que je pense pour Aladdin, quand je dis qu'il y a de l'autobiographie dans Aladdin. Et d'autre part, je pense que chaque fois que Hannah raconte des histoires dans son récit de voyage, ce sont des histoires qui ont des origines occidentales, européennes. Donc il baigne dans une culture qu'on peut appeler populaire, européenne, avec des références à des histoires qu'on raconte en Europe et entre Européens. Donc ça change complètement notre perspective sur le caractère oriental des Mille et Une Nuits, et ça change aussi sur la perspective sur ce que c'est qu'un arabe d'Alep au XVIIIe siècle et la distance qu'il aurait avec la culture européenne à cette époque-là. Toute la question de l'Orient, l'Occident, le clash des civilisations, etc. D'une certaine façon, le témoignage de Hannah oblige à le repenser et le remet en cause.